Mireille Kilufiangandoué, candidat numéro 879 à la députation provinciale et 582 à la députation nationale, cadre du parti ARDEV, cher à Jacques Kiaboulakatoué, a présenté son candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession à la présidence de la République, comme ticket gagnant pour le développement durable de la République démocratique du Congo. C'était au temple chrétien. Tous les partisans et sympathisants de sa fondation ont écouté celle qu'ils considèrent comme la Jeanne d'Arc et la maman Yamaba Zuyote, donc de toutes les bases. Les 20 rendez-vous, les 20 rendez-vous, la joie est égalisée. À ma côté, je m'envoie à Albiani. Je suis allé à la Matia, je suis allé à la et je suis maman Mireille. Maman Mireille est tournée chez vous. Maman Mireille est tournée chez vous. La chie est trop fidèle que vous êtes à côté. Voilà pourquoi je suis allé à la juste après, le père spirituel de cette église et ses collaborateurs ont adressé une prière à Dieu en faveur de sa servante Mireille Kilufiangandoué pour qu'elle gagne avec brio le scrutin du 20 décembre 2023. En guise de reconnaissance et à sa qualité de membre du gouvernement provincial Jacques Kiaboulakatoué, Mireille Kilufiangandoué, candidate numéro 879 à la députation provinciale et 582 à la députation nationale, a fait le tour avec les membres de sa fondation CISFA, Centre d'intégration de la femme abandonnée, et du même parti politique ARDEV, ont effectué la ronde dans les différentes structures de santé ce même jeudi. C'est notamment celle de Katouba, le centre de santé Jaël, puis la zone de santé Kampemba, et enfin le centre médical Jabgabaon de la commune de Rouachi. Partout où elle est passée, elle a procédé à la remise des produits pharmaceutiques et des pagnes aux malades trouvés sur le lieu. Ceux-ci n'ont pas manqué de présenter leur reconnaissance. Nous sommes très reconnaissants par rapport à ces gestes qu'elle vient de faire vis-à-vis de nous. Bon, ce n'est pas par rapport, c'est par rapport à la population qu'elle a songé. Alors, nous lui souhaitons en tout cas toutes les bonnes choses et on ne va pas vraiment l'oublier. Ce sont les malades qui n'ont pas assez de moyens. Alors, avec cette action, nous tombons à point nommé parce que nous avons des malades ici. Vous allez passer même dans la maternité, vous allez trouver que ce sont des malades qui n'ont pas assez de moyens. Chibote ensemble, c'est possible. Yemoya Ashitaweza. Tu me soutenir, maman Yangu, numéro 582-879. Mireille Kilufiangandoué a, par ses actions, ravivé le vœu d'être le porte-étendard du domaine du travail et du social à l'hémicycle, domaine qu'elle maîtrise pour avoir été commissaire provincial au gouvernement Jacques Kiaboulakatoué.